venir commencer tout de suite en faisant rouler ses épaules d'avant en arrière et en basculant pointe de pied talon. N'hésitez pas à vous mettre soit pieds nus, soit en chaussettes pour ressentir au maximum le mouvement. Allez, on vient enrouler vers l'arrière. Et vers l'avant. On souffle bien. On va venir prendre une grande inspiration. On essaie d'aller chercher le plus haut possible. On bascule son poids sur la jambe droite, on étire toute la taille du côté gauche. On revient au milieu. Et on va venir basculer tout le poids sur la jambe gauche pour étirer la taille à droite. On revient au centre et souffle. On va venir tendre son bras devant soi, le ramener vers sa poitrine. On essaie de détendre, de descendre son épaule au maximum. On souffle bien. On se détend. On a le dos droit. La tête haute, les épaules sont basses. Et on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On tend le bras. On le ramène vers la poitrine. On descend l'épaule au maximum. Allez, on souffle bien. Et on va relâcher. On va tendre le bras devant soi et tirer doucement sur le bout de ses doigts, soit vers le bas, soit vers le haut, au choix. On étire l'intérieur du bras, les poignets. Changer de bras, on fait la même chose avec l'autre bras. On prend de grandes respirations. Et on peut relâcher. On va venir faire rouler sa nuque dans un sens pour commencer. On fait des cercles chacun, chacune selon l'amplitude. Il ne faut pas que ce soit douloureux. Et on change de sens. N'hésitez pas à fermer les yeux. Et on relâche. On va venir se placer au bout de son tapis. On vient prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on vient descendre. On envoie les fesses vers l'arrière. Et on enroule pour essayer de poser les mains au sol ou d'attraper ses chevilles. Le but étant de rapprocher sa poitrine de ses genoux. On maintient quelques secondes. À chaque expiration, on essaie d'aller chercher un peu plus loin. Et on va venir passer accroupi pour marcher à l'avant du tapis. Ici, on se place sur les genoux, les mains le long du corps, encadrant les mains sous les épaules. Et on va venir descendre poitrine au sol en premier. On pose ses pieds au sol, on se relève. Soit en baby cobra, soit en cobra, donc soit sur ses avant-bras, soit sur les mains. Chacun, chacune selon son niveau. On prend une grande inspiration. On regarde vers le ciel. On étire ses lombaires. On a
les épaules basses, la tête est haute. Très bien, crochetez ses pieds dans son tapis, poussez dans les paumes de main pour basculer dans la position opposée. On envoie bien les fesses vers le ciel. On regarde vers son nombril. On va venir poser le genou gauche au sol. Ramener le genou droit proche des mains et se redresser. Ici, on va venir placer la main gauche à l'intérieur du pied et ouvrir la taille. Regardez vers la main droite. On maintient quelques secondes. Amène la main au sol à l'extérieur du pied. Et cette fois-ci, on va ouvrir le bras gauche vers le ciel et regarder vers la main gauche. On ramène la main pour encadrer le pied. On ramène le pied, cette fois-ci on vient changer de côté, on amène le pied gauche entre les mains et on va venir ouvrir, garder la main droite à l'intérieur, on ouvre le bras gauche vers le ciel et on regarde sa main gauche. À gauche du pied et on vient ouvrir la main droite vers le ciel et regarder vers sa main droite. Et on ramène la main pour encadrer le pied. On ramène le pied à côté de l'autre, on va venir descendre poitrine au sol en premier et on va glisser complètement pour se redresser. On va étirer ses lombaires encore une fois. On regarde devant soi, la tête est haute, les épaules sont basses, on serre les omoplates. On aspire bien le nombril. Basculer en position de l'enfant pour s'asseoir sur ses talons. On essaye de poser le front au sol et de rapprocher ses talons de ses fesses. Chaque expiration, on essaye d'aller chercher un peu plus loin avec le bout de ses doigts. On va venir passer son bras droit sous l'aisselle gauche pour étirer les épaules. Devant soi et cette fois-ci on va passer le bras gauche sous l'aisselle droite.
bien au milieu. On prend encore quelques secondes. Avant de venir se dérouler tranquillement. De projeter les pieds dans le tapis et de se dérouler vertèbre après vertèbre, les épaules et la nuque endermées. Et on va venir prendre une dernière grande inspiration. On vient chercher le plus haut possible. On étire encore une fois tout son dos. Et quand vous en avez envie, vous allez souffler, tout relâcher. Détendre les épaules, la nuque. Et quand vous vous sentirez prêt, vous allez vous dérouler vertèbre après vertèbre. Et cette séance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt.